Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cet exercice, on a le cas d'une flexion déviée, ou on a un PRS. La classe de cette section donc, est la classe 3. Il est demandé de vérifier cette poutre à l'ELU, sachant qu'elle est prémunie contre le déversement. Là, il y a maintenant une poutre simplement appuyée. Donc, on va commencer par, bien sûr, les caractéristiques géométriques. Les caractéristiques géométriques, donc on a une flexion déviée, on a la classe 3, donc on a un W élastique, et donc on doit déterminer W élastique Y, Z, AVY et AVZ. Et puisqu'on a la vérification que à l'ELU, donc on n'aura pas besoin des moments d'énergie.